Ce n'est qu'un livre. Vous vouliez me voir, directrice Fitzgerald, professeur Rackham? Miss Isidora Morganac, bienvenue. Professeur Rockwood, professeur Baccar. J'ai cru comprendre que vous vous intégrez plutôt bien à Poudlard. Tout à fait. J'en suis ravie. Entrer directement en cinquième année n'est pas une situation habituelle. Eh bien, en fait, j'ai moi aussi été admis à Poudlard en cinquième année. Mais je crois bien que nous sommes les seuls. Miss Morganac, hier, lors de notre discussion après les cours, vous avez mentionné les magnifiques tourbillons que vous avez vus il y a des années dans votre hameau. Je vous ai tous reconnus dès mon arrivée. Merci infiniment pour tout ce que vous avez fait. C'était un plaisir. Et oui, j'ai vu les tourbillons de magie, partout ce jour-là. Mon père persiste à dire que c'était mon imagination qui me jouait des tours, mais ça m'a paru très réel. Ce n'était pas votre imagination. Percival, professeur Rackham peut les voir aussi, mais personne d'autre à ma connaissance ne le peut. Je ne comprends pas, qu'est-ce que c'est? Les murmures ou les traces qui apparaissent lorsqu'une forme précise de magie ancienne est utilisée. De la magie ancienne? Peu de personnes sont capables de la manier. L'école de Poudlard est constituée de cette magie ancienne. Alors si je vois des traces de magie ancienne, cela veut-il dire que je peux aussi la manier? Avec un peu d'entraînement. Mais ne nous avançons pas trop vite, Miss Morganac. Avant d'apprendre à manier ce type de magie, vous allez devoir maîtriser tous les enseignements de Poudlard. Entre de mauvaises mains, une magie aussi puissante peut être dangereuse. Elle ne doit être maniée que par quelques privilégiés. Et c'est pour cette raison que nous devons vous demander de garder notre conversation secrète. Sébastien ? Vous êtes encore à rôder dans la réserve, ce que je vois. Je croyais que c'en était fini, de ces bêtises. De toute évidence, les retenues ne servent à rien. J'ai bien peur de devoir rapporter cela au directeur. Mais... Cela étant dit,
Peeves m'a soufflé que vous n'étiez pas venu seul ce soir. Si l'on vous a forcé la main, vous devez me le dire. Vous êtes intelligent. Ne gâchez pas cette chance. Il n'y a personne d'autre. Je suis venu seul. Oh, Sébastien. Que va en penser votre oncle ? Revelio. Sérieux? Des gobelins qui s'associeraient à Rockwood? C'est absurde! C'est plutôt inhabituel, je vous l'accorde. Revelio! C'est inconcevable, c'est... Ah, Fig, vous avez de la visite. Je vais voir ce que je peux trouver. Monsieur, j'ai pu fouiller la réserve de la bibliothèque pendant que vous étiez avec le professeur Black. C'était un livre que nous cherchions. C'est... une minute. Vous avez accédé à la réserve ? Comment ? Oh, à la réflexion, je préfère ne pas connaître les détails. Comme vous voudrez. En réalité, le livre se trouvait sous la réserve de la bibliothèque, comme indiqué sur la carte. Je veux tout savoir, mais avant, montrez-le-moi. Oh ! Oh non! Certaines pages semblent être manquantes. On dirait que quelqu'un a trouvé le livre avant nous. Bien. Je vais tout de même me pencher sur ce qu'il en reste. Peut-être pourrons-nous en tirer quelque chose d'utile, mais cela prendra du temps. Je me demande ce qu'il faisait là, sous Poudlard. Je crois savoir, monsieur. J'ai vu deux autres souvenirs là où j'ai trouvé le livre. Une autre pancine? Par la barbe de Godric. Percival Rackham, l'homme que nous avons vu plus tôt, a enseigné ici. Dans mon premier souvenir, il était avec trois autres professeurs et ils utilisaient la magie ancienne pour sauver un hameau de la sécheresse. Myriam avait raison. Et le deuxième souvenir? Dans mon deuxième souvenir, il parlait à une élève qui est entrée en cinquième année, comme moi. Elle aussi pouvait voir les traces de magie. Pourquoi ces souvenirs? Oh, ce livre nous l'expliquera peut-être. Je vais devoir l'emmener avec moi à Londres. Le directeur a insisté pour que je parle directement au ministère au sujet de la mort de George. Je comprends. Pendant votre absence, je vais tenter d'en savoir plus sur les pages manquantes. Bien. Ne négligez pas vos études. Vous faites des progrès rapides avec votre baguette.
mais vous devez travailler sérieusement en cours de botanique et de potions. La magie ne se limite pas aux sortilèges. J'ai de quoi m'occuper en votre absence. Vous avez été formidable. J'ai hâte de voir tout ce que vous aurez accompli à mon retour. Oh, et ne négligez pas vos amis. La quantité de... ...vous apprendre vous surprendra. Réveillo. Retrouve-moi à Campolar en bas dès que possible. Les murs du château ont des oreilles et j'aimerais te parler de Rockwood et d'Arlo. Il est temps de montrer tes talents de duelliste et d'essayer de remporter le titre. Retrouve-moi à l'endroit habituel pour la dernière manche de shoot magique. Oh, et le mannequin d'entraînement est toujours là. Le professeur Fig et le professeur Weasley m'ont demandé de vous enseigner un nouveau sort de défense. Veuillez terminer les devoirs que je vous ai donnés, puis venez me voir dans ma salle de classe. Voyager était incroyablement pénible avant que j'invente la poudre de cheveux. Attention, futur champion en approche. Bonjour, Lucan. Tout est prêt pour la dernière manche de joute magique? On a un grand duel aujourd'hui. C'est le moment de vérité. Nous allons découvrir si ton entraînement et ta volonté suffiront pour remporter la victoire. Tu veux essayer de remporter la victoire? Oui, c'est parti. Parfait. Tu vas te battre avec un partenaire? Oui, avec Sébastien. Alors, allons-y. Tu vas comprendre ta douleur. Voilà, il faut rester positif. Tu as fini en pâté pour croupe pendant ce duel. Tu veux réessayer? D'accord, allons-y. Parfait. Bonne chance. Stupéfix.
Tu veux retenter ta chance ? Non, je ne pense pas. Pas maintenant. Je comprends. Mais ne tarde pas trop. On t'attend. Attention, futur champion en approche. Bonjour, Lucan. J'aimerais m'entraîner avec le mannequin d'entraînement. Excellente idée. Cette fois, ce sera un peu plus compliqué. Ça ira ? C'est parfait. Fantastique. Je prépare tout. Pense à lancer tous tes enchaînements de sorts avant que le mannequin atterrisse. Si tu dois arrêter l'entraînement avant de les avoir tous finis, dis-le-moi. Beau travail. Les chansons. Action. Incendio. Très bon travail. Action. Incendio. Les chansons. Action. Incendio. Bien joué. Impressionnant. Je n'aimerais pas t'affronter dans un duel. Merci, Lucan. Tu m'as été d'une grande aide. Oh, arrête, tu vas me faire rougir. Bravo, vraiment. Les mannequins y réfléchiront à deux fois avant de te provoquer en duel. Et je suis sûr que tu feras encore mieux, ajoute Magique. Les autres duellistes n'ont qu'à bien se tenir. Je devrais regarder ça de plus près.